Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS pour une nouvelle vidéo sur Trial Rising. Donc voilà, on va passer sur un autre terrain. Donc j'en ai déjà fait deux avant. J'ai fait le Canyon, donc celui-là, j'ai fait le Crash Canyon et j'ai fait celui-là, Breaking Bad. Donc là, on va aller sur Action, nos moteurs Action. Donc, comme j'ai expliqué sur les vidéos d'avant, je réexplique toujours sur la vidéo parce que vous allez regarder mes vidéos d'affilée, mais il y a peut-être des gens qui vont tomber sur cette vidéo-là et qui vont dire, ben voilà, pourquoi il fait ça. Donc je vais faire la vidéo en mode une fois normal, donc ça veut dire sans looping, sans rien. Une deuxième fois, je la ferai derrière et là, avec des loopings, dès que je peux en placer un, je placerai un looping, enfin, ou des flips, ou tout ce que je peux faire, même si je peux faire du une-roue ou des choses comme ça. Et la troisième fois, j'essaie d'aller au maximum premier, on va dire. Premier ou être en médaille d'or. Donc à savoir que moi j'ai pas mal de médailles d'or, mais je ne suis pas un professionnel dans ce mode de jeu. Donc voilà, vous avez plusieurs motos. La moto de base, ça c'est une moto que j'ai gagnée. La moto, il y a celle-là, mais celle-là, je ne l'ai pas encore débloquée. Elle est au niveau 42. Après, il y a des vélos, mais ça, il faut les acheter. Là, c'est un petit châssis. Et là, c'est la moto apparemment pour jouer en duo. Donc voilà. Là, c'est moteur, caméra, action. Donc après là c'est pas des personnages de. C'est pas des multijoueurs là. Ça c'est des bots entre parenthèses qui sont là pour nous faire premier, deuxième, troisième, quatrième, tout dépend. Voilà. Donc là, je le fais en normal. Sans looping, sans rien. Juste pour vous montrer le terrain. Donc on est au checkpoint numéro 2. Hop, là, voilà. Là, il faut pousser. Normalement, il faut pas le prendre sur la route devant, mais il faut le prendre sur les roues centrales. Je le referai tout à l'heure. Vous voyez, eux, ils font des loopings, moi je le ferai tout à l'heure. Vraiment bon coup. Oups. Quand vous accélérez, que vous allez sur une roue, il faut vraiment arrêter d'accélérer tout de suite parce que dès que vous partez sur une roue, c'est énorme. Hein, elle part tout de suite en wheeling, la moto. Voilà. Donc là, il faut aller sur la voiture. Et voilà. Donc là, on l'a fait de base. Bon, j'ai fait médaille d'or. Là, on va. Donc là, on va le faire, mais là, on va essayer de placer des loopings maintenant. Dès que je peux, je place un looping. Par exemple, comme là, hop, voilà. Et vous voyez, quand vous faites un looping, vous perdez vous avez tendance à perdre un peu de temps quand même. Bon, franchement, j'ai jamais réussi à faire premier. En faisant plein de looping ou des trucs comme ça. Vous voyez là comme là normalement le looping me fait sortir de ma trajectoire. Par contre là j'accélère trop dans ce jeu en vérité, il faut vraiment pas être à fond dans l'accélérateur parce que oh là oh là oh là oh là pardon. Il faut pas être à fond sur l'accélérateur parce que c'est pas le but en vérité. Dans les trials d'avant on accélère à fond et puis c'est tout, point final, on gérait. Celui-là, non, non, dès que vous accélérez, dès que vous décélérez, donc vous freinez trop, vous partez sur la voie avant, vous accélérez trop, vous restez sur la voie arrière, donc il faut vraiment jauger entre parenthèses. Donc là, je vous fais montrer vite fait comme ça, voilà. Vous voyez, comme là, vous voyez, je suis resté accéléré, donc le bonhomme, ben, la moto, elle a rebondi. Voilà, donc là, allez, on est parti, là, on va faire une partie, on va essayer de faire le maximum de score, et vous allez voir que là, je vais beaucoup moins accélérer. Ouais. Là j'accélère presque pas, hop. Vous voyez déjà, je suis plus trop, vous voyez. Hop, j'arrête d'accélérer. Vous voyez que je monte beaucoup moins avec la moto. Qui dit que comme je monte moins, ben, je perds moins de temps. Donc voilà, hop. Voilà. Vous voyez là, hop, on arrête d'accélérer. C'est pas énorme, hein, mais ça joue.
Oui, hop, on arrête d'accélérer. Là, vous voyez, la moto, il faut pas monter plus que ça. Hein. Oula, là, par contre, j'ai tapé le truc. On va le refaire parce que là, je peux vraiment pas vous montrer ça. Voilà. Voilà. Vous voyez? Vraiment pas trop accéléré. Là, hop, on fait tomber la planche. On décélère, hop, on arrête d'accélérer. Là, on accélère un petit peu plus. Et là, il faut passer sur le truc. Voilà. Là, on arrête d'accélérer, hop. Donc, vous voyez, on monte pas trop trop, il faut pas trop monter trop. Là c'est pareil. Là je crois que je pas monte assez. Voilà. Après il faut vraiment trouver le bon. Ben, quand vous faites le. C'est pour ça que je vous dis en vérité. Enfin je peux pas vous mettre 20 fois la vidéo parce que ça se fait pas et ça va pas être top. Mais normalement souvent des trucs comme ça, on les fait une vingtaine de fois et. Fait une vingtaine de fois et une fois que les 20 fois ils sont faits, bon les trois quarts du temps on a pris nos repères et donc là après on peut se retrouver premier, deuxième, troisième en fonction. Donc pour cette vidéo là, voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, je vous dis, je fais que des petites vidéos, je vais pas faire des grandes vidéos parce que bon, Kendon Hertz, on m'avait dit que j'avais fait des trop grandes vidéos d'une heure et demie et tout ce qui s'ensuit. Bon, le but du jeu de Kendon Hertz c'était vraiment d'avoir des bons. C'est un jeu quand même que j'ai fait 21h. Donc 21h, si j'aurais fait des sessions de 10 minutes, j'étais à 180 jours. Donc j'ai tout oublié. Sur celui-là, je trouve que je peux permettre de faire des petites vidéos. Donc des petites vidéos de 10-15 minutes, au moins pour pouvoir présenter. De toute façon, c'est pas pour présenter le jeu en général, c'est vraiment pour présenter le circuit en général. C'est pour les circuits. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup et ciao, bonne soirée.